Et salut tout le monde, c'est Kiwi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode sur le jeu Thief Simulator 2. Donc, dans le premier épisode, on avait fait un peu le tuto. Il nous expliquait, voilà, comment rentrer chez les gens, comment marquer les personnes pour voir leur emploi du temps. Voilà, ce genre de petites choses. Il nous a également montré notre planque. Et donc là, eh bien, donc j'ai tout ça. Donc tout ça, il va falloir que je le mette dans un petit coffre, les amis. Regardez, c'était où déjà? C'était où? Oh, c'est quoi ça? Oh oh! C'est quoi ça? Ben mince, où était le coffre que j'avais vu? Et en gros, on avait... hop, c'est pas ici. Et en gros, on pouvait maintenant aller braquer, voilà, des... Enfin, crocheter plutôt des petits loulous. Alors, attendez, faut que je retrouve en fait une grosse... Ah, voilà, c'est ici. Donc, tout ça... Parce qu'en fait, j'ai pas les... Tout, donc, il faut que je le stocke là. Comme ça, j'ai un sac vide et maintenant, je peux revoler... revoler tout ça. Ma voiture, où est-elle? Ok, donc, on va aller là. On utilise ça. On rentre dans la voiture, on démarre, on va à Madison Street, évidemment. Oh! Délice de compétences, ok. Pas mal, ça. Donc là, on va au centre de... Attendez, H. Ouais, ok, j'ai pas de caméra, en fait. Pas de caméra de... Comment ça s'appelle? J'ai perdu le mot. Deux cartes un peu plus agrandies. Alors là, ben là, je pense que je vais me garer là, comme d'habitude, de toute façon. Comme ça, en fait, je suis dans un parking proche, vous voyez, de la maison. J'ai quasiment 500 balles sur moi, les amis. Donc, on va aller au 102. Au 102, on sait qu'il n'y a personne. Hein. Voilà, ça, on le sait, les gars. Donc là, on sait qu'il dort au 103, voilà, là-bas. Et en gros, alors par contre, le mode planification, il est un peu bizarre. Est-ce que j'ai un moyen? Attendez. Donc, par exemple, attendez. Niveau 102, 103. Ouais, ok, on sait que là, au milieu, on sait pas ce qu'il fait, mais ok. Bah ça, en vrai, il faudra que j'achète des caméras, je pense, et je les foutrai dans ces petits... voilà. Dans ces petites choses et on sera bon. Donc bah là, en vrai, j'ai la clé, donc personne. Voilà, je peux rentrer comme ça. Et donc là où il y a les étoiles, c'est ce que je dois dégommer. Donc bah, on va se faire plaisir. Or là, je crois qu'il y avait des choses. Attendez, est-ce qu'il y a des choses qui ont été remises ou pas? Attendez, je vais vous allumer la lumière quand même. Bah, mince. Est-ce que c'est eux? Cool, il y a re de l'argent qui a pop. Bah c'est génial parce que ça veut dire que je peux peut-être voler un cadre ou quoi, je sais pas, on sait jamais. Hein. Et on va casser tout ce qu'il y a, mais on va casser en dernier d'abord. Je veux juste ramasser ce qu'il y a ici. Ouais, non, il y a plus le, gros cadre. C'est un peu dommage, mais bon. Donc on reprend tout ça. Oh, je pensais qu'il y avait un petit truc intéressant là. Mais non. Et je... Oh, voilà. On va prendre ces trucs nuls de toute manière. J'ai envie de dire. C'est pas perdu. C'est... Ça fera toujours quelque chose de plus à vendre. Donc... Allez, vous voyez? Ce petit pot là de 2 kilos. Peut-être ici, j'ai quoi? J'ai une petite poêle à frire. J'ai un petit vin. Voyez, on est niveau 3 déjà. Ça va vite, hein, les amis. Bon. Ben, je pense que j'ai tout. Donc, on va prendre le pied de biche. On va casser ça. Donc là.
J'ai eu un objectif de fait. Faut que je casse quoi d'autre? Ça, le levier? Non? Attendez. C'est quoi que je dois casser? Allez, shot. Ok, on casse les petites shots. Ensuite. On casse ça, là. Et il y a une clôture cassée. La fenêtre de la salle de bain est ouverte. Je dois casser un autre truc, non? Ouais, le truc dehors, là. Tiens, d'ailleurs, j'ai failli oublier ça. Merde, la police! Donc là, on se cache ici. Hop, voyez, regardez. Et là, on attend que la police, elle parte. Donc, on va lire le tuto, mais... En gros, voilà. On sait, hein, c'est... Soit tu quittes complètement la zone, soit tu te caches, et basta. De ce que j'ai vu, on peut même se cacher, genre, derrière un rideau de douche, les amis. Donc, voilà, bon, rien de suspect. Évidemment, plus t'as de... Plus ça dure longtemps... Regardez. Bonjour, monsieur le policier. Je pensais qu'il m'avait vu. En gros, plus t'as d'étoiles, évidemment, plus ça dure longtemps, je crois, et plus il y a de force appelée, en fait. Bon, ben là, j'ai pas pris grand-chose, pour être honnête, mais bon. Après, voilà, j'ai pas... J'ai pas des millions de choses, donc là, on peut sortir, je dirais, voilà. It would be really funny if you got caught. A man escapes trained assassins, but he can't escape a policeman who ate a donut as he ran to the crime scene. C'est un gamin. Time to learn lockpicking. If you still somehow don't have the experience, steal some more from 102. T'inquiète, j'ai assez d'expérience, poulet, regarde. Regardez, hein. Hop, on peut apprendre à crocheter ici. Après, d'ailleurs, voilà la tire. Oh, voilà la tire. Oh. Ça, j'ai hâte d'être niveau quoi, 4? Bah, c'est le prochain niveau, ça, les amis. Donc là, je peux faire quoi? Les serrures simples avec un outil de crochetage. Et là, c'est quoi? Ok, moyennement compliqué. D'accord. Ah, on peut découper les vitres aussi. D'accord. Donc ça, c'est bon. Acheter un outil de crochetage de base sur le téléphone. Ah! Good brother. Take out your phone and order a nice basic lockpicking tool. You can buy it at your PC too, but it'd be a waste of time. D'accord. Ok, ouais. En fait, effectivement, c'est soit tu utilises ton téléphone... d'accord, up euro, ok. Donc là, en fait, si tu fais ça, je suppose, voilà. Et naviguer, donc c'est comme ça, ok. Bah là, je suppose que c'est ici. Raté. Et donc là, on achète bah, ça, du coup. 70 balles. Ouais, on va s'entraîner. Ouais. Clairement, on va faire ça, les amis. On va s'entraîner. Alors, où c'est que je peux m'entraîner là-dessus? Entrée par effraction, blablabli. Attendez, tac, tac, tac. Ah, on peut s'entraîner ici, ça? Ok, on peut s'entraîner ici. Alors, comment ça marche? Pour acheter une série avec l'outil, vous venez d'acheter, utilisez la souris. Le stick gauche positionne la tige, ensuite maintenez D appuyé pour faire tourner la serrure. Si l'angle est correct, la serrure tournera, sinon elle sera bloquée et si elle se coince, gna gna gna. Ok. Donc là en fait, tu testes comme ça, hop, tu sais que c'est pas bon, hop, tu testes comme ça, c'est pas bon. Là c'est un petit peu mieux, et là c'est un petit peu mieux. Et voilà! Merci. Bon, c'est. Voilà, c'est classique, mais. Ok, donc ça marche plutôt bien, je suis content. Donc bah, maintenant, on va aller... On va aller où d'ailleurs? Tiens, on va aller au... au 103. L'habitant est absent entre 17 et 21 heures. Bah, de toute manière, on va attendre. Je pense. Alors, on va attendre. Un petit peu. D'accord, donc c'est ici que je peux stocker des choses, par exemple, genre là, vous voyez. Mince, non, c'est la clé, je la veux. Ça, la clé, je la veux. Et le reste, je le veux. Ok. Rends-moi la clé. Merci. Ah, voilà. Je sais bien que... C'est quoi, ça? Vous ne saignez pas. Ah, d'accord. Donc, tu peux saigner, apparemment. Ok. D'accord. Donc, là, on va passer... Alors, il a dit entre 17 et 21 heures. Bon, ben...
J'ai envie de dire 16h, ça me paraît pas mal, 16h. Comme ça, on va aller crocheter le petit bonhomme. On va donc aller crocheter le petit bonhomme. On va. Alors, attendez, le 103, il est où le 103? Le 103, il faut voir le drone. Dans tous les cas. Alors, je sais qu'il est là. Alors, mode planification, on sait que à 16h il est là et on sait qu'à 17h il dégage là-bas. Et donc là, il va bientôt partir en fait, hein, simplement. Donc là, après, j'entrerai par effraction chez lui tranquille. Donc là, on va attendre tout doucement. On va regarder d'ailleurs si on peut passer peut-être par un autre endroit, vous voyez. Genre, ouais, là, vous voyez. Est-ce quoi ce truc rouge là? Il y a une caméra ou je rêve? Ouais, il y a une caméra. Après, je pourrais en vrai passer comme ça en théorie. Ok. Donc ça c'est bon, faut juste faire gaffe à pas se faire capter par la caméra. Donc là le mec se barre en théorie. Donc on va voler le drone. La chance qu'il se barre. Genre si je longe ici, c'est gagné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voler peut-être de la thune. De la thune. Crochetage niveau 2. Bon, après on sait qu'on peut se barrer par le derrière, donc ça me va. Donc là, le mec en théorie il est parti, donc je devrais être assez tranquille ici. J'espère qu'il a pas de. Attendez. Bon, bah alors là déjà on va prendre le drone déjà. Bah, vu que c'est la mission, on va déjà prendre le drone. Il m'appelle vraiment maintenant lui. Ok. D'accord, donc on peut désactiver les caméras ici. Ok. Alors là, je vais vite récupérer tout ça. J'ai jusqu'à 21h en théorie, hein, donc. Donc là, bah là, je vole tout. Oh, cool. J'ai la clé ici. Génial. Donc là, je pourrais me cacher là, si besoin. Là, je pourrais en prendre. Là, en vrai, je prends tout au début parce que bah, dans tous les cas. Ah, cool. Un petit adaptateur Wi-Fi, ça fait plaisir. Faut juste faire gaffe à pas se faire gauler, en vrai. Oh, de la thune, les amis! Et voyez, on peut se cacher ici derrière. On va se dépêcher, il est quelle heure? Le poil à frire, en vrai, je crois que c'est un peu de la merde. Bon. 20. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Frigo. Ok, frigo, je peux rien faire. Et ici, j'ai quoi? J'ai un petit pot, j'ai un petit verre. Ici, on a quoi? On a rien. Ici, on a rien. Bah, je crois que j'ai fini, non? Vase de Chine. Ça, mince. Ça, vase de Chine, je crois que j'en avais besoin. Alors attendez. Poêle à frire, en vrai, de mémoire, ça vaut rien. Donc ça, je vais lâcher l'objet, c'est nul. Le réveil, on va le vendre. Le boulier, on va aller le vendre aussi. Le projecteur, je sais pas. Le décor en bois, ça vaut 15 balles, on jette. Ça, je pense, ça vaut cher. Ça vaut cher également. Il me reste 1,5 kg. Ça fait. Le globe, je peux pas. Et c'est bientôt 21h, les amis. Donc. Ouais. Est-ce que j'ai pas un petit cadre ou quoi à voler, peut-être? Je sais pas. Non, j'ai rien à voler. Bon, on va dégager. Ouais, on va partir. Il est quelle heure? Il est 20h. Ouais, on va partir. Par là. Ah non, je peux pas. Et mince.
Dit. Allez, dépêche-toi. Et les voitures. En théorie, je pourrais juste sortir et... Et c'est fini, hein. Bonjour madame! Tout va bien? C'est pas moi! Donc là, c'est bon. On rentre chez nous et... On rentre chez nous et ma foi, on a pas mal de petites choses de voler, là. Donc, je suis content. Donc, on rentre chez nous. Hop. Ah, je suis content. Là, en vrai, on a le... Là, on a le petit drone. On va pouvoir... Ma foi, se faire un petit peu d'argent, on va dire, basique. Cachette, voilà. Alors, caché dans les buissons, ok. Plutôt Stylax, les amis. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, bah là, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà aller sur le Black Bay, déjà. Et acheter un module pour désactiver les caméras. D'accord, bon, ça, je suppose... donc c'est ici, ok, c'est le flybyte amélioré, d'accord, donc on a 25 mètres, ok, on a une batterie, d'accord, et donc là, permet de désactiver une carte, ah, ben voilà, c'est ça que je veux, tac, bon on va acheter 300 balles, en vrai je les ai, hein, vitesse de, en vrai je pourrais tout acheter, bon c'est un peu la sauce s'ils me demandent d'acheter autre chose, mais de toute façon, on va aller sur le Black Bear, regardez les gars. On va envoyer les deux, tac. Ça fait un peu d'argent. J'ai le vin et le vin. On envoie. J'ai le pot ici. Ok. Donc là, on a tout. Là, j'ai tout ici. Et de toute façon, tout ce que j'ai déjà. Voyez, oui, on se refait vite à niveau argent. De toute façon, après, il va falloir que je vois ce qui me manque. Donc. En vrai. Là, ma petite... Comment ça s'appelle? Ma petite clé et tout. Ah, donc là, on s'est refait un peu de thune, hein, là, je vous le dis. C'est quoi ici, là, déjà? Micro-caméra 500. Est-ce que je vais en acheter une ou pas? En vrai, pour l'instant, je pense pas. Donc, acheter toutes les informations... Ah, mince. D'accord. Donc, on va désactiver une caméra, les amis. Ok. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il dit, c'est que bientôt, en fait, il va arrêter de nous... Alors, détruire le Nanjardin, en vrai, ça, j'aurais pu le faire. En vrai, tu sais quoi, je vais même l'acheter. Hop, l'accepter, pardon. Là, j'ai rien ici, ok. On s'est pas perdu, ça. Hein. Donc... d'ailleurs, est-ce que j'ai quelque chose ici, peut-être? Pied de biche. Changer de couleur. 25, oui, un peu. D'accord. Ok, bon, ouais, ok. Ouais, ok, je vois. C'est pas non plus révolutionnaire, hein. Qu'est-ce que je voulais d'ailleurs ici? Black Bay, non, ça, non. C'est chez qui déjà? Ah oui, Rod, machin. Donc ils veulent... Ah oui, ils veulent au 104, hein, c'est ça? Ah, parfait, c'est gratuit, ok. Ah, génial. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a un PC dans la pièce principale, il y a un récepteur dans le débarras, il y a un casque dans l'armoire métallique. On connaît les habitudes du coup des deux habitants, je dirais. Il y a une fenêtre qui est ouverte et il y a deux caméras. Donc, attention à nous! Ouais, ok, c'est ça. Donc là, faut vérifier, ok. Avec ton drone, je t'appellerai par la suite. D'accord, bah c'est génial. J'ai des choses dans mon... J'ai encore des choses ici. Alors, attendez. Est-ce que je peux stocker peut-être... Alors, le pot... Bah, le pot, je l'ai pas. C'est cool. Le vase de Chine. Le vase de Chine, je l'ai déjà. Donc ça, le vase de Chine, je peux le vendre. Pour le coup. J'en ai déjà un. Je pense... Bon, et dans tous les cas, en vrai, ça va pas être bloquant. Donc, 27 balles, ok, bon, c'est pas ouf. 36 balles de réveil, bah punaise. 13 balles, ça, et 90 balles, ça, ok. En vrai, c'est pas mal, quand même. Hein. Donc là, on retourne... alors, attendez, on va regarder un petit peu ce qu'on a en compétences. J'ai quoi? Bah, je suis bientôt au niveau suivant, donc c'est génial.
104, hop, le déportoir, pardon. Donc là, on sait que hors de la maison, ici, j'en ai un. En gros, hors de la maison, c'est entre minuit et 2 h du matin, où j'ai les deux hors de la maison. Après, j'en ai un qui va dans l'espace de stockage 1. Ok. Donc en gros, entre minuit et 2 h du matin, je suis libre dans la maison. Ok. Et j'ai une mission? Non. Ok, bah ça marche. Donc c'est génial, on va aller donc au 104 les amis. Ici, attendez, j'avais des choses ici. Bah oui, j'avais des choses ici. Hop. On va donc aller vendre ça parce que là, en théorie, j'ai tout mis. Le pot, je l'ai déjà. Le vin Robert, il comment ça, il est recherché encore. Le vin Robert, je crois pas qu'il serait utilisé, hein. Au pire, c'est pas gênant, hein. D'accord, donc là, apparemment, ici, je suis. Ok. D'accord. Donc les amis, on va au 104. Bah le 104, ça tombe, il est juste à côté, donc c'est génial. Donc le 104 est ici. Et donc on a une caméra, vous voyez, ici, et on a probablement une autre, peut-être genre vers le fond là-bas, ou je sais pas trop. Là c'est dommage parce qu'il diminue, c'est-à-dire que les deux sont dehors. Par contre, ce que je peux faire, c'est regarder en fait, vous voyez, à 2 h du matin. En fait, ce que je vais regarder, je vais accélérer jusqu'à genre 3 h, par exemple, tu vois. Hop. En fait, pour voir ce que c'est l'espace 1, tu sais, qu'il disait là. L'espace de stockage 1. En fait, juste pour voir un peu où serait le mec, tu vois. Vous voyez, là j'en ai un ici par exemple. Et voyez, on voit que à par exemple 4 h, 3 h, il est genre là-bas. Donc il est quand même bien dedans, tu vois. Donc, ouais, alors après, je pourrais en vrai déjà crocheter ici, pour être honnête. Comme ça. Hop, c'est déjà ça de fait. Wanted, enlever la fiche. La fiche restante 1, d'accord. Ah, donc ça veut dire que là. Maintenant, en fait, je peux me faire cramer. Ok, c'est génial. Donc, je vais me mettre à, on va dire. Parce que là, j'en ai une ici. Et où est la deuxième caméra? Attendez. Bon, on n'y voit rien. J'en ai une ici. Elle est où la deuxième? J'en ai une là. Ouais, ça, j'en ai une devant, une derrière. Alors, est-ce que derrière, j'ai une entrée? Je l'ai pas vu. Non, j'ai pas l'impression que j'ai une entrée, donc. Quoi qu'il arrive, je vais devoir pirater cette caméra. Alors, le problème, c'est est-ce que si je me fais voir par un, comment ça s'appelle? Par un petit bonhomme, est-ce que. Donc là, on désactive la caméra comme ça. Ok. D'accord. Donc là, on va aller récupérer un petit carton. En tout cas, on désactive les caméras, c'est cool. Ok, je vais en profiter pour voler des trucs. Alors, ouais, là, il y a plein de choses à faire. Ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais retourner à la voiture. Je vais dormir, je pense, un petit peu. Jusqu'à probablement 23 h, je dirais. Ouais, 23 h, ça me paraît pas idiot. Comme ça, le temps que je sorte de la voiture, etc. On devrait être pas trop trop mal. Et en vrai, de vrai. Voyez, là, en théorie, les deux. Attendez, c'est où? C'est au 104, c'est là-bas. Ok. Donc en théorie, là, voilà. Vous voyez, j'en ai un ici. Tac. Donc ça, attendez. Ça, je peux l'ouvrir. Alors, je pourrais l'ouvrir maintenant que j'ai crocheté ça et genre me cacher, vous voyez? Genre, voyez, je me cache, admettons, là. Et genre, j'attends qu'ils sortent, par exemple, tu vois. Et comme ça, en fait, dès qu'ils sont sortis, hop. Je rentre. Donc là, ils vont bientôt sortir tous les deux. J'en ai un qui est sorti, déjà. Il me manque plus que lui, là, à sortir.
Après, je rush la maison, en fait, hein, pour le coup. Ok. Donc là, en théorie, je devrais pouvoir courir ici. Voilà, donc là, on peut passer par la fenêtre ici. Tac. Donc là, j'ai le carton ici. Tac. On va juste prendre vite fait de la thune et tout. Parce que là, j'ai jusqu'à 2 heures, en fait, vous voyez, pour me faire de la thune. On ramasse le carton. Hop. On le jette comme ça. On va juste prendre vite fait un peu d'argent. Ici, on va récupérer voilà, l'ordinateur là. Ok. Ouais. Ça fait 2 choses à prendre là. Ouais, c'est pas terrible ça. Et il est déjà 1 h du matin. En vrai, est-ce que je fais d'autres choses? Non, on va pas prendre le risque. On va déjà finir cette mission là. On va se dépêcher, les gars. Vite, vite, vite. Après, en vrai, attends. Vois, je me dis, alors, tu fais ça, et là, par exemple, toi, tu fais ça. Et là, ça va être risqué quand même, parce que l'autre va bientôt arriver. Après, je me dis, une fois qu'il est rentré, c'est bon, tu vois. Mince. Mais. Et la question, c'est est-ce que si je prends ça, alors que lui va rentrer, par exemple, après, je pourrais juste le jeter comme ça, tu vois. En mode comme ça, et comme ça, quand le mec va rentrer, admettons, hop, on va pas se faire cramer par elle. Oh, bon, pendant que le mec nous reconnaît, on va. Allez. Je te fous de ma gueule. Allez, lâche-le. Ok, voilà, c'était chaud, les gars. Là, c'était chaud, mais en vrai, c'est plutôt satisfaisant de désactiver les caméras avec le drone. En vrai, ça offre une nouvelle dimension de gameplay, pour être honnête. Et ben, ça me plaît bien. Okay, I assume you have the box and it didn't fall out of your trunk. Open it Oh, like a ok. normal man does. Ouverture des cartons, d'accord. Ouvrir un carton, aller dans votre cachette, mettez le carton. D'accord, oui, d'accord, ok, pose sur table, ouvrez le couteau, d'accord. Ok, bah ça me va. Après, j'ai des choses là, en théorie, à vendre. Destinataire, c'est quoi ce destinataire? En vrai? Ça vaut quand même 90 balles, what the fuck. Et voyons un peu, clavier souris, ça vaut quoi? 13 balles, 9 balles, en vrai c'est pas rentable du tout pour le prix, on va dire que j'ai, enfin, par rapport au poids et tout, c'est pas hyper rentable pour être franc. Donc bon, voilà le petit carton, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont me demander de faire par la suite. Attendez, c'est où déjà? C'est ici? Non, c'est pas là. Ah oui, c'est là. Donc, lâcher l'objet, ok. Ben ouais, j'aimerais bien, mais. Ah, ok. Donc on ramasse le couteau. Ok, stylé en vrai, stylé. Et prendre le paquet noir. Et ça, on l'envoie sur le Black Bay qui est là-bas. En vrai, je me donne. Attendez. Avant de le faire, est-ce qu'on peut ouvrir le paquet noir? J'ai pas l'impression que je puisse l'ouvrir, donc tant pis. On va le vendre sur le Black Bay. Alors là, est-ce que j'ai des choses à vendre, peut-être? Je sais pas, je pense pas. Ah, si, si, si! 300 balles pour une souris, un moniteur, en gros, tout ça devait me faire genre 50 balles. Et là, ça me fait 300 balles. En vrai, franchement, je prends, les gars.
C'est... Wouh! Jeu de valeur? Non. T'as, ouais, j'aurais médaille et tout en vrai, c'est cool. Paquet noir de 50 balles, ok. Et est-ce que j'ai autre chose peut-être à lui vendre? Non, j'ai rien d'autre. Ok, c'est génial, il va m'appeler encore, je suppose. Super, je t'assure que je te redresse ça, mais encore quelque chose à faire. D'accord. J'ai besoin que tu déposes un certain paquet au 110 dans la chambre. Fais attention que le gars ne te voit pas. Oh là 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 là! Ok. On va faire ça, les amis. Je pense qu'on s'arrêtera là. Alors, avant, ce qu'on va faire. J'ai 1000 balles. Hein. Mine de rien. Oh, j'ai. Que j'ai ça? D'où j'ai un chat? Donc, je dois aller au 110, les amis. Donc, au 110, qu'est-ce qu'on va faire? On va. Eh bien, acheter tout ça ici. Alors, est-ce que je peux... Ok, est-ce que 110, je peux déjà acheter des choses ou pas? Ouais, cool. Donc, j'ai du butin, j'ai... Ok, il y a une fenêtre, il y a une cachette au sous-sol, génial. L'habitant part à 16h et 19h, ouf. Ouais, alors ça va pas être facile, ça. Je pense que je vais mettre à la banque d'ailleurs. En vrai, je vais déposer bah, tout. Hop, voilà. Comme ça au moins, j'ai plus d'argent sur moi. Ah, quoi que tu me diras d'un côté. Ah, bah parfait, il y a un livre de compétences au 110. Bah, ma foi. Regardez, on va. Est-ce qu'on va ouvrir notre premier truc de compétences? Je sais pas. Mais on va tester. Alors. La vieille télé, tout, en vrai, ça se tente. Alors, par contre, attendez. J'ai un quelque chose là, non? Ici, là? Apprendre. Ouais, ça, j'ai un petit point là, regardez. Faites les poches à tout le monde. Mais on va tester ça, les amis. Le vol à la tire aussi. Donc, on va aller au 110. Ah oui, c'est vrai que là, je suis recherché. À mon avis, il va peut-être falloir que je puisse me cacher un peu, vous voyez, un peu le. Parce que là, à mon avis, je commence à être un petit peu connu dans le milieu. Donc, ouais, est-ce que ça vaudrait pas le coup? Ouais, regardez. Il y a une affiche restante encore. Après, est-ce qu'en vrai, toi, ça vaut le coup, tu sais, de te balader pendant la ville? Pour les enlever, je sais pas. Ah bon? Je vais écraser lui. Le 110, c'est où là? Ah, c'est en haut. Ouh là là. Ah ouais, le 110, par contre, il a pas l'air de rigoler des masses, lui. Hein. Bon, on se garer là déjà. On est un peu loin, mais. En vrai, on va pas faire le fou. Alors, après, ce que je pourrais faire, pour le coup, c'est. Vous voyez, me garer en fait. Comment ça s'appelle? Je pourrais me garer. Je cherche le 110, il est où? Il est là, d'accord. Donc là, on sait quelque chose. Je pourrais me garer, par exemple, vous voyez, par exemple, ici. Par contre, où ça gêne pas, c'est bon, tu vois. Donc là, attendez. Regardons un petit peu. Faisons le tour de la maison avant de nous précipiter. Regardez. Ici, vous voyez? Est-ce que là, du coup, c'est considéré comme un truc là? Donc là, ok, donc là, c'est du crochetage niveau 1. Quoi? Ah, ok. D'accord, donc en fait, ça compte comme... Ok, d'accord, donc ça compte vraiment comme un... Comment ça s'appelle? Quoi? La police s'est appelée? Ah, c'est gênant. D'accord, donc ça compte vraiment comme un délit quand je suis devant chez lui. D'accord, ok. Bon, ben, on va se cacher, les gars. En vrai, je pense que je vais me cacher, genre, ici. Y a pas de raison que je sois découvert. Mais ok, c'est bon à savoir, ça. Ensuite, on va donc déposer un paquet. Ah, mais attends, est-ce que j'ai le paquet sur moi, d'ailleurs? Quoi, oh? Oh, mais tu pas quelqu'un, là? Ouais, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être que je prenne le paquet dans la voiture avant. Ouais. C'est bon? Partez, messieurs les policiers. Zou! Ah, mais attends, en plus,
plus entre 9h et je sais pas quelle heure, non, qu'ils sont, qu'il est pas là, le petit bonhomme, là. 110. Ouais, donc il... Ah, en fait, attendez, il dort. Entre 7h et... ouais, et après, donc, il est hors de la maison, donc à 16h, entre 16h et 19h, mais entre, en vrai, entre 7h et 11h, je peux faire des choses, hein, aussi. Hein. Donc là, en théorie, il devrait être... ok. Donc, en fait, si je reviens... Ah, j'ai oublié, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Entre 16h et 19h, en vrai, entre 16h et 19h, je devrais pouvoir... mettre le truc. Au pire, je me cache dans la maison... Vous voyez, le temps que le mec, il bouge, vous voyez. Et une fois que le mec, en fait, a bougé, c'est gagné. C'est bon. Là, en fait, je vais chercher quelqu'un. Voir un peu si je peux le cambrioler, le petit plouc. Alors là, ici, crochetage niveau 2, d'accord. Donc, c'est pas encore... Par contre, ici, là... Ouais, je pourrais crocheter ici, là. Ok, bon, après... mais est-ce que je peux trouver quelqu'un, s'il vous plaît? Parce que là, en fait, vous voyez, je pourrais rentrer. Et... Ah, bah, parfait. Là, j'ai quelqu'un. Ah. Rip. En fait, vous voyez... Là, j'ai quelqu'un et je pourrais, je pense... Allez, le chercher quand il dort. Vous voyez, je pourrais me poser le paquet, je suppose. Alors, la question, c'est... Attendez. Déposer un paquet. Ouais, je veux bien. Mais est-ce qu'il me faut le paquet obligatoirement sur moi ou pas? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Attendez, est-ce que je l'ai sur moi, peut-être? J'ai pas l'impression. Ok. Bon, bah là, on va attendre. J'ai dit, c'est quelle heure? C'était 16h. Donc, on va aller jusqu'à 15h. Comme d'habitude, hein, une petite heure avant, le temps que j'y aille devant, le temps que voilà, que je fasse ce que j'ai à faire. Regardez. Hop, allez, ça c'est récupéré déjà. Vous voyez? Là, j'ai déjà récupéré une routine ici. Donc ça, c'est génial. Donc là, lui... alors lui, attendez, je vais essayer un truc. Je vais essayer de le choper. Regardez. En gros, regardez. À 16h, il va être là. Ce que je pourrais faire, c'est me glisser, en fait. La fenêtre de la salle de bain est ouverte. En fait, ce que je pourrais faire, c'est regarder. Je pourrais faire ça. Tac. Je vais dans la salle de bain. Oh, mais oui, tellement. Regardez. Alors, ça serait pas de bol, par contre, qu'il passe par là. Ça serait pas de bol. À mon avis, il va juste sortir... Ah. Ah, bah ça, c'est gênant, par contre. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir de la zone. On va revenir un peu après. Alors, là, non, il devrait se barrer, le petit bonhomme. Il est où? Il s'est barré déjà? Ok, bon bah, vu qu'il s'est barré, on va faire ça, hop. Ça serait pas de bol qu'on se fasse choper. Alors. On va se dépêcher parce que j'ai pas non plus... Hop. Des millions de temps, les amis, donc on se dépêche. Voilà. S'occuper de ce que j'ai emprunté. Bon, le mec, il se met bien. Hein. C'est un petit... ça va, tu vois. Lire, attendez. 24, 252. Ok. Oh, 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 attendez, je crois que j'ai vu. Ah non, c'était un petit truc nul. Ok. Donc ça, on s'en fiche. Alors, attendez, là, je dois faire un petit truc. Je dois... En fait, je vais me dépêcher parce que...
voyez, s'il est 19h, c'est chiant. Et donc là, on fait ça. Thank you. Two more things, kind sir. I need a photo of the kitchen in 105. On va se dépêcher, les gars. Il y a une télé. Parce que le mec, il va rentrer. Donc, faut que je me bouge. Mince. Hop. Là, là, le mec, il va rentrer, là. Vite, 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 vite. Ma voiture, elle est où? La voiture, elle est là-bas. Donc là, j'ai fait ce que j'avais à faire, pour être honnête. J'ai pas pris beaucoup de choses, pour être franc, mais ce que j'ai pris, j'estime que ça vaut le coup. Mais là, pour l'instant, le jeu me plaît bien. Surtout avec ce... Oh. Attendez, on va venir récupérer ça après. Hop, qu'est-ce que c'est ça? Je peux le prendre ça ou pas? Objet caché trouvé? 100 balles, elle avait. Allez, donc là, ok. Bon, en vrai, franchement, c'était plutôt pas mal. Après, il faudrait que je photographie, mais j'ai pas de choses à photographier. Si? Eh, il me manque un truc, là. À ramasser, d'ailleurs. C'est quoi que j'oubliais? Ah ouais, la tablette à dessin dans la chambre à coucher. Après, je pourrais revenir, en vrai, pendant qu'il dort, vous voyez. Mais honnêtement, ça, je le ferai plus tard, hein. Franchement. Je vais pas me prendre trop la tête. Là, le but, c'est vraiment qu'on avance dans l'émission. Moi, après, de mon côté, tu vois, je peux toujours aller voilà, me dire, je vais dans tel... tu vois, je vais dans tel endroit, boum, hop, ça passe, tac, tac. Donc la petite télé, alors est-ce que la télé, ça se vend par contre? Ça c'est une bonne question. Est-ce que, où est l'ordi? Mais là, on se fait un peu de thunes, d'ailleurs, si on va voir la banque. Souvenez-vous, j'avais 900, ah bah j'ai toujours 941, bah super, ok. De toute façon, là, l'argent au début va me servir à... Pardon, comment ça s'appelle? À faire mes choses. Je pense que j'ai acheté une petite micro-caméra dès que je peux, en vrai. Parce que, ouais, je pense que ça peut servir. Ça, après, c'est un peu cher pour l'instant. Mais je me dis, plus je vais avancer, plus je vais aller dans des zones... ou, en tout cas, dans des... comment ça s'appelle? Dans des maisons, vous voyez? Qui valent le coup. Donc, je me dis que, potentiellement... Ça devrait être pas mal. Alors là, est-ce que j'ai des choses en trop, peut-être? Une petite télé, non. Mais vous voyez, il y a des petits objets de valeur et tout, franchement, ça passe, tu vois. Bon, je pense que la télé, elle doit être plutôt, plutôt chère. Donc voilà, ouais, ça, je l'ai acheté, ça vaut rien, ça. Franchement, ça vaut que dalle, les gars. La petite télé, elle est où d'ailleurs? Hop, petit téléviseur, hop. C'est ce que je peux le vendre d'ailleurs. Quoi, ça se... Non. Ça se vend pas cette merde? Attendez. Sérieux? Et j'en fais quoi de ça? Bah super! bah super! J'en fais quoi de cette télé? Bah écoutez, je sais pas trop. Est-ce que si je la mets genre là... Est-ce que je peux faire quelque chose avec? Non. Bon, bah... je sais pas trop, pour être honnête. Bon, bah, tant pis. J'ai une télé. Voilà, hop, ça c'est fait. J'ai regardé, mais je crois pas pouvoir la vendre. En tout cas, sur le Black Bay, j'ai pas l'impression. Ça a l'air d'être de l'électronique, attendez. C'est une vieille télé, donc... on va regarder. Radio, donc là, il y a des manettes. Oh, 2000 balles pour une console et tout. Ah ouais. Et il me faut le routeur, génial. Des casques, des téléphones, un ordi portable, des multimètres, des tablettes, des disques durs x3. Ok, génial. Les disques durs d'assez bonne qualité, ok. Non, bah, je pense en fait que cette télé, elle est pourrie. Bah, je sais pas ce que je peux en faire. Bon, bah, les amis, nous, on va s'arrêter là. J'espère que cette deuxième vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude,
partager, etc. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.